Bonjour, Christophe Battier, Université Lyon 1. On m'a demandé de vous parler du REFER. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler des rendez-vous des écoles francophones en réseau, c'était en 2013, si ma mémoire est bonne, où j'ai reçu un coup de fil, ou un Hangout, ou un Skype, je ne me rappelle plus très bien, de Monique Lachance et de Nathalie Couzon qui m'ont dit oui, on aimerait bien mettre en place un réseau entre la France, le Québec, la Suisse, un réseau francophone d'écoles pour partager avec, utilisant les réseaux sociaux et tout ça. Et puis on a commencé à discuter autour de cette idée-là, autour de cette chose-là, et pour monter ce réseau. Alors moi, mon rôle, il est très très faible. Je suis un peu comme ce catalyseur chimique. C'est-à-dire, je ne sers pas à grand-chose, mais c'est des petites actions qui font que ça se déroule, que la réaction, elle marche, pour mettre en lien les gens les uns avec les autres. Alors, pour cette 14e édition de Ludovia, je serai présent. Je vais servir encore une fois de catalyseur, c'est-à-dire, je vais mettre les gens en relation entre les réseaux des musiciens, les réseaux des profs d'école, les réseaux des Québécois, les réseaux des francophones, les réseaux des. Etc., etc. Il y a plein de réseaux qui se retrouvent à Ludovia. Et puis il faut des éléments liants. Ben, je peux être un de ces éléments liants, c'est-à-dire je connais un peu de plusieurs têtes de réseau, plusieurs personnes dans les réseaux. Donc si vous avez besoin de contacts, de réseaux, n'hésitez pas à passer par moi. Je serai l'ambassadeur dans ces nouveaux réseaux que vous ne connaissez pas encore pour le REFER. Vous êtes dans le REFER, vous voulez connaître d'autres personnes, ben, je suis là pour ça. Donc c'est un peu mon boulot au niveau du REFER. Mettre les gens en réseau, puis aussi de temps en temps, c'est des petits soucis techniques sur de la vidéo, sur des plateformes, c'est sur ceci, cela. N'hésitez pas, c'est mon cœur de métier. Voilà, bon Ludovia, bon REFER, et puis bonne mise en réseau.